Hop, mais je le fais. Voilà. Allez, coucher du jour, donc retour là-bas, le pieu. Voilà. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Donc direction la feuille. Pour aller se récupérer un petit seau de lave. Sinon il y avait le nether, mais pff, le nether, ouais, si je vais quand même devoir marcher pour trouver de la lave. C'est un comble dans le nether quand même. On va quand même se manger un morceau. Bah. Alors là, il va falloir jouer la rapidité. Ouais, non. Alors. Puis ça a moitié buggé. Ça a moitié buggé quand j'ai pris le... Comment? Quand j'ai pris la source. On va laisser la source d'eau ici, on la récupérera beaucoup plus tard. Hop, allez, on va remonter, on va retourner rapidement. Là où il faut. Et on a notre ferme XP. Ce qui est génial, vous en conviendrez. Allez. On est d'accord. Allez. Là-bas. Ici, on a le seau de lave. Ici. Juste, je vais voir un truc. Ouais, c'est bon. Allez, activation. Juste, je vais vérifier, c'est le crusher. Je pense que c'est mis un petit peu trop long. Ouais, j'ai mis trop long. Bon. Je sais bien que c'était que 5 tics. Parce que la lave a infligé un demi-cœur de dégâts en trop. Alors... non, normalement 5 tics ça suffit. Ouais, ah oui, ici il faut surtout pas qu'il mette de... Sinon ça bug. Ici, ça va pas. Et... Allez. Voilà, c'est tout. Bon, allez. On va couper, on va déjà faire cette tournée-là. Voilà.
vrai qu'il y a les bébés zombies. J'ai pas pensé aux bébés zombies, mais normalement ils sont pas censés passer. Il y a un bloc ennemi. Hein. Il n'y a pas un bloc, il y a un bloc ennemi. On va quand même. Il me semble quand même que c'est. Voilà, au moins là. Je suis sûr de moi. Donc on va les laisser se faire se mettre là. Enfin, on pourrait se faire la table. Comment le. Il est passé le salopard. Donc les bébés zombies vont être un problème. Ouais, peut-être. Peut-être pas avec la. La dalle que je mets. Bah oui, si, mais je viens de la mettre là en fait. Donc. Ou alors là comme ça. Là comme ça au moins, je peux toujours ouvrir mon coffre. Ouais, mais c'est une petite passe. C'est toujours le même problème, c'est une jolie. On va essayer. Bon, système 2. Système 2. Ce qu'il me faut du bois, du fer, de la résine, nickel, c'est ce qu'il me faut. Et de la cobble. Et un levier. Je sais que j'avais encore des sticks quelque part ici. Alors normalement le ils sont bloqués là-haut, mais bon. Voilà. Là, c'est juste pour protéger les bébés zombies. En soi, je sais pas si le piston va les empêcher de tirer avec ça. On va tester ça. Sinon, bah, il n'y a qu'à rétracter ici. Ça nous fait qu'on a trois commandes, mais ça passe. Ok, bah c'est nickel, allez, 19 niveaux, on va aller faire de l'enchantement. Et ben ça va nous faciliter la vie, mais un truc de malade ce truc. J'aime, je kiffe. Ça par contre, ça, je kiffe pas du tout. Soyons clairs et précis. Ça je préfère. Ok, nickel. Alors ça par contre, pas confiance. Alors pas confiance du tout. Voilà, on mure ça.
Ouais, et puis en soi, bon, on va l'entrer, on verra pour faire quelque chose de mieux plus tard. Hein. Mais on a notre ferme XP et ça, c'est génial. C'est génial. Bon. Allez, excusez-moi, je suis encore en train de péter un plomb. Ça, on reprend également. Trop de papeterie. Allez, ça rapidement, comme ça, au moins c'est fait. Eh ben génial, on n'a plus de cuir de vache. Bon, juste rapidement, vidage d'inventaire. Ça. La redstone, on va refaire des blocs de redstone. Non, ceci. Ouais, faut remarquer, 264, c'est bon. Ça. Ça. Ça, oui. Ça. Des torches, des sticks. Non, la cobble, ça va en haut. Des repeaters, ça peut toujours servir. Reste, merci. Ça, non, pas ça, ça on va le garder, ça va être pour l'usine, mais sinon on garde la tranche en 1 sur nous quand même. Eh ben c'est cool. Eh ben c'est cool. Surtout dans l'inventaire avec la bouffe, c'est bon. On va stocker un peu de bouffe parce que sinon. Les arbres, il va falloir qu'on les fusionne. Juste rapidement, ça je suis sûr qu'on peut avoir un puissance 1, qu'on va par conséquent fusionner pour avoir un P2. Voilà. Puis avec ça, ça va nous faire un P2, mais full. Oh non, j'aurais dû le. Ouais, non, j'aurais pas pu le réenchanter de toute façon pour avoir autre chose de mieux. Ok, voilà, comme ça on aura un puissance 2 un peu plus potable. Ces deux épées là, c'est pareil, on va les enchanter à tranchant 1. Oh, c'est quoi ça? Oh putain, châtiment 1, recul 1, solidité 1. Putain, fait chier, je pensais avoir un truc de malade, mais non. Bon, il est tranchant 1. Bah, résultat, on va. On va faire ça, tiens. Hop, hop. Niveau 6. Bon bah tant pis. On va refaire un aller-retour à la ferme XP. Bah ouais, hein. On va faire ça. On va faire que ça là pendant un temps, mais on va y arriver. Hein. Et on va faire ça. Et on va enchanter tous les bouquins. Et en soi, je devrais prendre la table là-bas. Je devrais pas m'emmerder. Pour le moment, on va faire quelques allers-retours le. Juste le temps de voilà de se mettre. Se mettre correctement. Nope.
bah tant pis. Vengeance. Réfléchir en même temps. On va faire quelque chose. Alors, on va voir deux techniques de Sioux. Il nous en faut que 6. Non, voilà, là. Et on va se faire une porte. Alors, on est en extrême. Ça signifie deux choses. La première, c'est que les zombies peuvent forcer les portes. Peuvent forcer les portes. Ça, vous le savez. La seconde par contre, bah, je sais pas. Mais on peut faire quelque chose de sympa que vous ne savez peut-être pas, mais on va le faire. C'est comment on peut empêcher un zombie de casser une porte en hardcore. C'est une technique relativement simple, mais efficace. Une porte est simple, si je la pose ici, comme ça, dans ce cas, elle va être fermée, elle va être posée en étant fermée. Par contre, si je la pose comme ça, elle est considérée comme étant fermée, là, comme ça, et là, elle est considérée comme étant ouverte pour le, par le jeu. Et si la porte est ouverte, donc pour nous, elle est fermée, mais pour le jeu, vu qu'elle a été posée, à l'envers, elle est ouverte et un zombie ne peut pas casser une porte ouverte. Voilà, petite astuce pour le mode hardcore. Alors ça marche en 1.6, hein, enfin 1.7. Je ne sais pas si... Pour le glitch. J'ai cassé mon épée tranchant, hein, comme ça c'est tout fait. Allez, on va quand même fermer l'autre. Bon d'accord, donc ça glitch un peu avec les mini-zombies, mais pas faire rien. 12 niveaux déjà. On va se préparer la... pour l'espace pour l'enchantement. On va se préparer ça. Le temps que ça descende, de toute façon... faut pas que ça soit trop loin pour que ça continue à s'activer. Parce que dès que je vais m'éloigner un peu, ça va arrêter de spawner. De toute façon, ça va être un tout petit espace, on va faire que les enchantements niveau 1, et puis
Juste de quoi poser. En soi, même là, j'ai déjà fait trop grand. Sûr. Juste parce que voilà, parce que j'aime bien avoir trois au-dessus de ma tête. Ah oui, d'accord. Pas de torche, c'est ce qu'il y a de plus normal. J'ai creusé trop profond. Oh, c'est pas grave, c'est bien comme ça. Bon, ça en baisse. Crocheur à lave. Voilà, on va pouvoir essayer aussi récupérer les rares loots, même si bon, ça va pas être énorme. De toute façon, là j'ai prévu cette porte, en fait c'est pour pouvoir faire des AFK sans avoir de réels problèmes, de réels risques. Donc voilà, plus de bois. Ah oui, mais j'ai une épée de roche. Je sais pas si ça vaut le coup que je filme tout ça. Je vais juste me faire un max d'XP. Et puis, puis revenir à ma base. Donc je vais juste me mettre AFK quoi. De toute façon, attendez, je regarde. Ouais, puis ma conversion pour mon travail est terminée. Non. Ok, ça c'est bon. Et bien sûr. Attends, excusez-moi, bien sûr, j'ai oublié de... Et ça. Voilà. Oups. Non, si je suis en poste, ça va pas le faire. Voilà, comme ça. Comme ça, ça sera mieux. Ça peut le fermer. Bah écoutez, je vais travailler en même temps que pendant la FK. De toute façon, le travail c'est pas très important. Voilà. Petit coup d'œil à mon disque dur, comme ici. Encore 125 gigas de libre. Bon, on va déjà récolter ça. Niveau. Bon. Ouais.
Voilà, ça va se résumer à ça, hein, de toute façon. Hein. Ça va se résumer à les laisser tomber, à fermer, à les crocher et à les tuer. Juste petit test. Ah oui, non, ils descendent de 3. Parce que moi, sur le crocheur que j'avais avant, ils descendaient que... Ouais, non, il y en a, il faut les taper 2 fois. Donc c'est mieux quand même avec une défense. En pierre. Ouais, il y en a, il faut les taper 2 fois. Oh, c'est de maille. Allez, 20 niveaux, on va back rapidement. Et puis... Et puis vous avez vu, hop, la porte qui est ouverte. Je sais pas si moi... Ouais, si on peut quand même la casser nous, mais bah, c'est bizarre. C'est assez bizarre hein, comment ça se comporte. Il fait nuit, ça c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du tout. On n'est pas loin, mais c'est pas une bonne idée du tout, quand même. Bon, bah c'était pas si mal que ça. Allez, petit enchantement. Hop. Alors, on va recontinuer nos fusions. On avait des... on avait 2 tranchants à fusionner avec un tranchant 4, donc on a ici un tranchant. On avait des puissances 2 avec un puissance 3 à modifier pour avoir un puissance 4. Ça, ce sera pour l'arc qui affrontera l'Under Dragon. Impeccable, un P4. Donc ça c'était... Non, ça c'était le P2. On va le mettre là, le P2. Et P4. Attendez, hop. Les efficacités. Là, il y en a une chier. Même si on va pas pouvoir en fusionner des masses. Ouais, je fais un peu n'importe quoi. Efficacité 2. Attendez. Là, ce sont des puissances. Là, ce sont des efficacités 2. Il y aura encore 2 efficacités 1. Donc, on va les laisser ici, comme ça. Et ça, c'est une efficacité 2. Ok. Ah oui, il y a déjà des efficacités 2 en plus. Hop. Hop. Et une efficacité 3. Ok. On se rapproche. Il y a un tranchant 3 là. On va le mettre là. Bon, je manque de protection. Hein, par contre, là j'ai un protection 2. Et il y a un autre tranchant 4. Bah génial, je vais avoir mon tranchant 5. Mon sharpness 5 sur une épée en diamant. Ça serait génial ça. Allez. Juste avant de partir. Du bois. Allez, fais-toi plaisir. Ok. Vous voulez vous venger de... Oh merde, non, c'est pas possible. Il n'y a pas de bouffe dans ma barre d'inventaire. Ça, je m'en fous. Je veux ça. On va
continuer à cramer de la jungle. Welcome to the jungle!